gueule. Moi, je suis chômeur. Et vous ? Inspecteur de police. Ça tombe bien. Ben voilà. J'ai un couteau dans le ventre. Et puis, ce qui m'emmerde, c'est que le couteau, c'était le mien. Mais c'est pas moi ! Ça peut pas être moi ! J'arrive ! J'étais pas là ! Des crimes et des assassins, je m'en farcis toute la journée. Actuellement, je suis pas en service, je mange. Si tu viens de coucher, je te promets, j'enlève ma chemise de nuit. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Attendez-moi ! Attendez-moi ! Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai les foies. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça. Et vous n'allez pas tuer un médecin, là ? T'as jamais tué personne, toi ? Si, bien sûr. Quelques erreurs de diagnostic. C'est la première fois que je vois mourir un homme. Moi aussi. En général, j'arrive trop tard. Quand on est incapable de rendre sa femme heureuse... Je te conseille pas de toucher à ma femme, toi ! Hein ? J'y toucherai quand j'aurai envie d'y toucher. Ça suffit, merde ! Alors, si je comprends bien, chaque fois que je vais trouver une bonne femme, tu vas me la zigouiller ! La faute à qui ? Vous la laissez toute seule dans une tour vide ! Mettez-vous à ma place ! Il va quand même falloir envisager de mettre un terme à cette hécatombe. Hein. Ça pourrait être pire. Hop, par ici, messieurs. Les mains contre le mur et les jambes écartées. Attention, je suis l'inspecteur principal Morvandio. Le héros de la résistance ? Morvandio pas mort. Morvandio vendra chèrement sa peau.